Bonjour. Vous ai-je déjà dit que je détestais les cadrages? Je crois que oui. Je crois que je vous l'ai dit, oui, déjà. Ah, parfait. Ah, mais tiens, je... Oui, c'est vrai. J'aurais dû y penser, tiens. Avant de faire le cadrage. Ouais, trop tard, bref. Alors, on y va. Ah, purée, depuis le temps que j'attendais ça. Bref, salut à tous et à toutes, c'est moi le Bienfils511, et aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau Let's Play sur PS3. Et oui, il est enfin là, depuis le temps qu'on devait finir BioShock Infinite. Ah putain, il était temps de le faire, hein. Enfin, de faire d'autres jeux. Et donc aujourd'hui, le nouveau Let's Play sur PS3 qui remplacera BioShock, et bah c'est Tomb Raider. Et ouais. Alors le Tomb Raider, très récent, hein. Enfin, je crois que c'est le plus récent, ouais. Non, enfin non, il y en avait un autre avant, mais c'est pas un Tomb Raider comme les autres. Ah donc Tomb Raider, donc bon ben Tomb Raider. C'est vrai que vu que je fais un let's play, je devrais dire par qui il a été édité et tout ça. Enfin, je sais que c'est Square Enix qui a fait. Enfin, je devrais peut-être dire tout ça, mais je sais pas pourquoi je pense pas en fait. J'y pense pas. Je sais qu'il y a Square Enix. Enfin, c'est Square Enix qui a fait le jeu. Après, je pourrais vous en dire plus. Bref, donc ce Tomb Raider là, on peut le considérer comme la toute première aventure de Lara Croft, hein, parce que c'est. Vu que la phrase typique de ce jeu c'est A survivor is born. A survivor is born. Une survivante est née, vu que c'est une femme. Donc bah voilà. Donc je vais lancer la nouvelle partie. Je me tais et je vous dis à tout de suite après la cinématique. Ah oui, c'est vrai, j'avais fait une deuxième sauvegarde. Bon, je dis. Je vous dis à tout de suite. Putain, on est arrivé. Normal, hein. Instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer.
On peut voir qu'on est direct balancé dans l'action. Bon. Bon. Il faut voir qu'on a été attaqué par quelqu'un et qu'ils nous ont pendu dans une grotte, on va dire. Et donc là, on doit se libérer. Allez, brûle! Je peux pas rentrer. Bon bah voilà, on est direct dans l'action, hein. On voit direct qu'on est très bien accueilli. Alors par contre, comme d'habitude, le problème des grottes. Quand je dois filmer des grottes, ma caméra dit non. Ma caméra dit non, c'est-à-dire que non, je veux pas faire de bonne qualité. Je te dis merde. Bon, voilà, c'est accueillant, hein. Je crois qu'il faut prendre une torche, voilà. Une torche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on peut voir que c'est très charmant. Ah oui, Peggy 18. Tous les autres Tomb Raider, c'était Peggy 12, là c'est Peggy 18. Donc on voit là. Alors, on y va. Donc notre but, bah là c'est un peu de s'échapper de cette grotte, que vous n'aurez pas compris. Donc ce jeu, il y a aussi, enfin je vous le dis, enfin, vous avez pu voir, mais il y a des QTE. Hein. Pour ceux qui n'auraient jamais fait le jeu, bah dommage. Par contre, un truc que tout le monde dit, c'est que le feu est super beau. Franchement, le feu est magnifique. Le jeu est magnifique. De base, hein, franchement. Franchement, le feu est magnifique. Parfois, vous pouvez pas le voir, je crois que vous voyez qu'une sorte de grosse flamme lumineuse. L2 pour le. Bon, l'instinct de survie. Putain, on en fait du boucan. Ça va péter. Bon, on est parti pour une nouvelle aventure. Oula. Ouf, putain. Là, on est parti pour une nouvelle aventure survival. Oh putain. Ah ouais, je me souviens d'ici. Alors, la plupart des morts quand vous ratez vos QTE sont assez glauques, hein, je dois vous avouer. Alors, là par exemple, si j'avais raté le QTE, je serais mort écrasé. Bon, c'est pour ça qu'il faut pas se grouiller entre L et R, hein, ça je vous préviens direct. Si vous vous grouillez entre L et R, vous êtes mort. Allez, on y va. Alors, faites gaffe au son, ça... Parfois le son, enfin, parfois la musique du jeu ou même les bruitages, parfois ils augmentent enfin, ils augmentent beaucoup et tu te dis en fin de compte et donc ça te fait sursauter. Donc faites gaffe à vos. Si vous avez des écouteurs, faites gaffe. Hein. Ah voilà, elle est toute propre. Trouver une sortie. J'espère que le cadrage est bien parce que pour les premiers épisodes, j'ai toujours du mal à cadrer parce que je ne sais pas où se trouve bah, l'équipement et compagnie. Donc. Qu'est-ce que c'est cet engin ? Si je me souviens. J'ai déjà fait ça. Que je me souvienne, hein. Parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait le jeu, je l'ai fait deux fois le jeu. Hein. Une fois en normal et une fois en difficile. Merde. Ouais, si je m'abuse, il faut faire ça. Voilà, donc logiquement, il faut mettre des caisses là-dedans. Ensuite, enflammer les caisses. Et ensuite, pousser.
Ouais, c'est ça. Je m'en souviens. Attention, là c'est parti. J'adore ce passage. En plus avec la musique. Là je vous laisse apprécier. Hein. Oh, fais chier, mais non! Bon, voilà, une mort glauque. Je l'avais dit. Eh, mais non, j'ai appuyé sur triangle, c'est dégueulasse. Mais d'habitude, je suis jamais mort dans ce passage. Ça, c'est chiant. Eh, j'ai appuyé sur triangle, je vous assure, je connais encore mes boutons de PlayStation, hein. Non, ouais. Je suis dégueu. Je suis dégoûté, franchement. Voilà, tout. Bon, allez, je me retais. Magnifique couche de soleil. Je suis franchement dégoûté d'être mort, quoi. Sérieux, j'ai appuyé sur triangle, merde. Ça m'énerve quand tu réussis QTE, que tu sais que t'as appuyé sur le bon bouton, mais non. Ça marche pas. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ce jeu, hein. Ça, je vous assure. Mais bon. Ce jeu est magnifique, franchement. Bon, allez, on continue. On va pas s'arrêter maintenant. Vous avez déjà vu la sauce du jeu, hein. Qu'est-ce qui nous attend, mais... Le canot de sauvetage. Mais où sont-ils ? Chercher les traces d'autres survivants. Ok. Doucement. Les effets de pluie comme ça sur la caméra, c'est... Alors là, j'ai juste à avancer le stick vers l'avant, hein, je vous le dis, il n'y a rien de... Magnifique, hein. Tous les bateaux échoués. Là, y a rien à récupérer, hein, je vous le dis. Bravo. Face au gameplay.
Bref, allons-y. Beau plan. Ah oui. Et hop. Le sac de sable. Oula. Sam, qui est Sam? On est pas plus plus tard. Ils ont dû passer par là. Ah oui, j'allais dire pourquoi ça se rattrape pas, parce que c'est scripté. Forêt littorale. Je vous le lis parce que je crois que vous le voyez pas. Enfin, je dis peut-être une connerie. Mais... Abritez-vous de la tempête. On entend des loups. Une seule, bien évidemment. Future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Inko, la mythique reine solaire. Une de mes ancêtres, semble-t-il. Sam, c'est sérieux, là. Je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens à quelque chose. J'en suis persuadée. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Ou s'il faut qu'il m'écoute. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord. Et Sam, merci. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara? Il n'y a pas que la famille de Sam. Moi aussi, je finance ce projet. Nous jouons tous gros dans cette histoire. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'est, pas vers l'ouest. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. La vie, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ça ne rime vraiment à rien de marcher sur les traces des autres, Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière vous?
J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient, alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Goodman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour ça. Écoutez, faire cap vers l'Est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite caille. Tu sais bien que je serais prêt à tuer n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Pour moi. Certains récits racontent que la reine Nico pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du triangle? Voilà une image satellite montrant l'intérieur du triangle du dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le triangle du dragon. Comme bon vous semble. Bon, je voulais voir combien de temps ça faisait, mais je vois pas. Il faut que je fasse quelque chose à manger. En fait, j'ai pas trop le temps de faire une vidéo, mais je vais quand même continuer. Oh, salut toi. Elle a l'air d'aller mieux, hein. Oh mon dieu. Le pauvre homme. Ouais, mais il y a un truc qui va nous être très utile. Trouver une arme pour chasser le cerf. Des mûnes. Vous voyez les mûnes? Ouais, non, vous les voyez pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous avez pas besoin de voir le nombre de mûnes que je récupère. Hein. Ouais, bon. On verra bien. On verra après pour le cadrage, hein, de toute façon. Je vous avais dit, les premiers épisodes, c'est toujours un peu de l'improviste. C'est pour ça que je veux que les premiers épisodes, ils durent pas trop longtemps. Casse encore la gueule. Arc improvisé, ouais, tu m'étonnes, il est pas en bois. Alors que j'adore, c'est qu'il y a un carquois qui nous est apparu sur le dos, pépère. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Ok. Alors, faut trouver un cerf. Attends, si je m'abuse, il y a quelque chose là-dedans. Là. Alors, il y a plein de trucs à récupérer. C'est. Voilà, comme ça, par exemple. Bon, par contre, je vais pas vous faire écouter tous les dialogues. Parce que c'est pour en apprendre un peu plus sur l'île, mais bon, franchement, ça m'intéresse pas. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir sur Internet encore. Ah, esquiver, c'est ça. Allez là-haut. Les flèches, parfait. J'ai 12 flèches, je sais pas si vous voyez mon. Ouais, vous voyez, en fait, vous voyez la moitié de mon chargeur. Enfin, c'est pas un chargeur, là, c'est un arc. Alors, où est-ce qu'il est? Une petite partie de chasse. Il y en a plusieurs, hein, de cerfs. Voilà. Ça c'était bien fait. Désolé. Il est mort là, il bouge plus, hein. Un point de compétence trouvé. Retour au camp. Bon. Retour au camp, comme elle dit. Écoute, Lara, tu
Tu ne disposeras pas toujours des derniers gadgets pour te dire où tu te trouves. Apprends le langage de la Terre et des étoiles et tu sauras toujours retrouver ton chemin. Il y a plein de quêtes secondaires, hein. De toute façon, je vous le dis. Je pense pas par là. Totem détruit. Voilà. Il y a 10 totems dans cette forêt. Mais il faut tous les détruire. Ah, tiens, ce que je vais récupérer. Bah, je vais essayer de récupérer tout ce que je peux trouver. Tout ce que je vois. Pour me faire des points d'XP. De toute façon, j'ai déjà fait le jeu à 100%. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les quêtes annexes et tout ça. Donc j'ai fait le jeu à 100%. Ah putain, rien avance. Alors attendez, à chaque fois, je suis paumé, moi. Allez, monte là. Les orques. Non, des flèches. Je me demande si on peut les dépecer. Moi, je demande de les dépecer tout de suite. Merde. La première fois, j'ai dû viser la tête. Bon, attendez. Je vais aller par là. Voilà, par là. Ouais, je peux les dépecer. Parfait. J'en peux gagner des points. 11 flèches. Tiens, il commence à pleuvoir. De toute façon, on va bientôt s'arrêter. Hein. Je voulais m'arrêter ici. Oui, instinct de survie, je sais que c'est par là. Merci. F2, ouais. Voilà, hop, pour l'enlever. L'instinct de survie, il s'enlève dès que tu fais quelque chose. Hein. Alors, à part quand tu marches. Allez, on va manger. On va manger de la viande. La bonne viande. Ah ouais, on va aussi vous montrer les points de compétences. Alors. Non mais moi je veux pas ça. Bon, c'est pas grave. Ah, L2. Chasseur, survivant. Donc il y a deux catégories. Bon, il va y en avoir une troisième. Donc il y a chasseur et survivant. En vous concentrant, vous disposez de plus de temps pour viser de manière précise avec votre arc. Un mesure de vos sacs et de vos poches vous permet de transporter plus de munes. Le reste, on peut pas l'avoir. Non, je ne pas dire. Fouillez les caisses et les caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Fouillez attentivement les cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres ennemis. Ah tiens, ça c'est pas mal. Tiens, on va prendre ça. Ça c'est pas mal. Récupérer les flèches sur les... Ouais, voilà. Chasseurs et souriants, il va y en avoir une troisième. Bon, là c'est tout ce qu'on peut avoir. Ouais. Je me souviens de la plage, il n'y avait plus rien, je me suis réveillée dans une grotte, il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara? Tu es en sécurité? C'était vraiment horrible. C'est de ma faute. Tout ça, c'est ma faute. Lara, écoute-moi. J'ai envoyé un SOS depuis l'endurance avant de l'abandonner. J'espère que quelqu'un l'a reçu. J'ai parlé aux autres. On se regroupe sur ma position. S'il te plaît, viens me chercher. Il faut que tu escalades la montagne en passant par les ruines. Garde ta radio allumée. Ok. Voilà, par contre, on va pas y aller, on va s'arrêter ici. Par contre, attendez, je vais faire un truc. C'est pas par là qu'il faut aller, hein. ça c'est de là d'où je viens. Voilà, là. Voilà, je le savais celui-là, je m'en souvenais. Ça me fait gagner des points donc j'en profite. Bon, de la musique, ouais, mais. On s'en fout là. 10 flèches. Bon, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était pas. Enfin, je voulais pas faire un épisode méga long non plus. Parce que, bah. Déjà, j'ai pas beaucoup de temps, mais en plus, comme je vous l'ai dit, les premiers épisodes doivent pas durer très longtemps pour que je règle à peu près. Tout le cadrage pour que vous voyez à peu près tout ce qui est utile. Bon, après les munes, vous voyez la moitié. Bon, après. Après, vous savez que vous me connaissez, je recharge tout le temps. Donc. Comme Mabel Choc pour ceux qui l'auraient regardé. Bref! Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime par les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez. Et dans le prochain épisode, eh ben, on va devoir survivre encore plus. Et le prochain épisode durera plus longtemps. Bien évidemment, parce que je viens évidemment, j'aurai beaucoup plus de temps. Et je serai plus préparé. Bref! J'espère que ce let's play vous plaira, mais on est loin de l'avoir fini. Allez,
Salut et à la prochaine. Alors, je vais essayer de couper sans faire tomber la caméra, parce que ça m'arrive toujours. Allez, salut.